Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser parce qu'il y a la fan qui tourne et ça fait beaucoup de bruit. Alors, j'aimerais aussi remercier tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne et les nouvelles Welcome Home. Et asseyez-vous confortablement, on va bien manger, on va apprendre à préparer et à bien manger. Alors, pour cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais mon poisson fumé. C'est une vidéo qui est à la demande d'une abonnée. Et voilà. Bon, j'avais regardé d'autres vidéos où les gens assaisonnaient les poissons ou deux fois imbibaient le poisson d'huile de palme et tout ça. Bon, je ne sais pas le pourquoi, si peut-être pour que ça puisse prendre la couleur du poisson fumé, mais je pense que le poisson fumé devient noir comme ça, c'est parce que à cause de la fumée, là où on fait ça, vraiment il y a beaucoup de, c'est vraiment la fumée, voilà pourquoi la peau tourne noire. Alors pour ceux qui mettent l'huile de palme et tout ça, je ne sais pas le pourquoi, ben je veux faire mon poisson fumé juste à la modernise en utilisant mon four. Alors, actuellement, j'ai mon four qui est en train de chauffer. Ok, mon four est en train. Et mon poisson est bien nettoyé, bien lavé, bien trempé dans le vinaigre, bien nettoyé. Et vous n'êtes pas obligé d'enlever ça. Vous pouvez laisser ça parce que c'est un poisson fumé. Parce que quand vous allez préparer, vous serez toujours obligé d'enlever ça. Comment? Pour gagner du temps. Ou soit, étant donné que la tête de tilapia n'a pas assez de chair, c'est pas vraiment trop bon. Et vous pouvez aussi couper la tête. Et voilà. Et ce que je veux faire, je veux placer. Et ici, j'ai plutôt le plate. Vous appelez ça un plateau qui va au four. Que j'ai posé l'aluminium juste pour me faciliter le nettoyage du plateau. Et pourquoi quand et aussi quand l'eau qui va sortir du poisson va tomber dessus plutôt, ça ne va pas vite cramer, hein? Ça va prendre un peu de temps et ça va pas, la maison ne va pas sentir l'odeur de quelque chose de brûlé, quoi. Voilà. Et ce que je veux faire, je veux poser le poisson. Je pose le poisson sur mon grillage. Ça a beaucoup passé le temps sur dans le vinaigre. C'est presque cuit. Et oui, le vinaigre fait cuire le poisson. Voilà. Je pose ça comme ça. Ok. Et puis je ferme. Alors, si vous n'avez pas de grillage, en tout cas, faites de votre mieux de vous procurer une grillage, parce que sinon le poisson va coller sur le plateau. Ok. Et je vais laisser ça au four ce premier jour pour 1h, 1h30. Et si je pars, si je fais au-delà, ça va faire peut-être 2 heures. Mais sinon, je le mets au four à feu doux pendant 1h ou 1h30. Ok. Alors, je m'arrête là et on se retrouve demain avant. On se retrouve plutôt demain. Je vais vous montrer la première partie. Bye. Alors voilà mon four qui chauffe. Voilà. C'est le four. Bonjour, ça c'est le deuxième jour. Et hier j'ai laissé ça au four 2 heures. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas encore bien sec. Mais si tu veux faire un poisson fumé doux,
c'est déjà prêt. Tu peux déjà préparer ça. Mais comme je veux un poisson fumé bien sec, donc je vais encore le remettre. Je vais encore le remettre au four. Et je vais laisser de ce côté. Parce que ce côté, si ça n'a pas trop pris, voilà. Ça, c'est le deuxième jour. Bam, bam, bam. Et j'ai chauffé mon four. Je vais pouvoir le remettre pour 1h30 ou 2h encore. Donc, demain, ça sera jeudi. Et je crois que d'ici vendredi, ça sera déjà prêt. Alors, voilà. Voilà. Ok. Alors, à demain. Bonjour, ici c'est le troisième jour. Là, dans la vidéo, je vous montre et comment le poisson a bien fumé, vraiment. Et comme le Mayanga de Brazzaville, hein, c'est vraiment très, très, très beau. Très joli à voir. Vous voyez, là, je suis en train d'appuyer pour voir si c'est vraiment bien sec. Regardez, c'est bien, bien, bien sec. Bien, bien, bien sec. Sec, sec comme le poisson bien fumé. Voilà. Et voilà comment je fais mon poisson fumé. Et l'image qui va suivre, je vais vous montrer comment je veux le tremper dans l'eau. Voilà. 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 Bien, bien sec. Bien, bien sec. Bien fumé. Avec un... Bien doré. Bien, bien, bien. Voilà les amis, voilà comment je fais pour fumer mon poisson. Ok. Voilà, ici nous sommes au, je crois, quatrième jour. Et ça doit être un week-end. Alors, je m'apprêtais pour le préparer, pour préparer le poisson fumé. Et comme vous avez vu dans les images auparavant que c'était vraiment bien sec, et là je l'ai trempé comme on le fait d'habitude. Tu prends ton poisson fumé, tu le trempes. Je ne l'avais plus lavé parce que moi-même, avant de le fumer, je l'avais bien lavé. Donc j'ai juste trempé dans l'eau. Voilà. Je suis en train d'appuyer pour vous montrer comment la consistance est quoi. Voilà. Ici, là, je crois que je l'avais laissé au moins de 10 minutes. Et on voit comment la peau est un peu au-dessus, mais la chair était encore bien ferme, bien sec. Voilà. Et je l'ai laissé tremper, je crois, 35 minutes à 40 minutes. Voilà, vous regardez vous-même. Voilà. Vraiment, ça, le doigt ne s'appuyait même pas. Donc, c'est pour vous dire que c'était vraiment bien, bien sec. Voilà. Voilà, je vais le laisser dans l'eau pendant un bon moment et jusqu'à ce que la chair et la mouka. Une fois de plus, je voulais vous montrer et après avoir trempé le poisson dans l'eau, voilà, c'est vraiment textuellement comme le vrai poisson salé fait au pays. Voilà. Et là, c'est vraiment top, 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 top. Alors là, je veux faire un bouillon. J'ai les invités. Donc, je suis entre la vidéo et les préparations et tout ça. Too much stress, ok? So, I'll see you guys in my next video. And thank you so much for watching. And thank you to subscribe. And thank you for those who've been there for the very, very first video. Thank you so much. I love you guys. Bye.